Je m'appelle Solveig von Klaas, je suis d'origine allemande. Ça fait un peu plus que 30 ans que j'habite en France. Et mon parcours, j'ai fait des beaux-arts à Berlin. Après, j'ai eu une bourse pour étudier le cinéma d'animation expérimentale. Donc, je suis allée une année à CalArts, California Institute of the Arts. Et c'est là-bas que j'ai découvert en fait le film d'animation parce que j'avais fait des petits projets avant, mais sans apprendre, sans savoir comment ça fonctionne réellement. Et voilà, j'ai appris en faisant mon premier film, qui était donc raté sur pellicule noire 35 mm. Et là, j'ai rencontré mon mari qui est français, donc c'est pour ça que je suis rentrée en France. Après, j'ai commencé à faire des illustrations en France, pour des livres, pour des journaux. Et j'ai aussi donc présenté à Annecy mon premier film qui a gagné un prix en 85. Et ensuite, j'ai pu faire deux autres courts-métrages. Après, j'ai arrêté les films, les courts-métrages parce que bon, c'est toujours très long et j'étais surtout intéressée à explorer d'autres façons d'utiliser les films d'animation comme moyen d'expression visuelle, donc plus dans une approche, on peut dire art plastique, avec donc des installations et des performances, donc de faire l'animation en direct devant un public. C'est ça qui m'a beaucoup intéressée. Et j'ai, à partir de 2003, j'ai fait plusieurs expositions où j'ai présenté cette démarche, donc aussi beaucoup à l'étranger. J'ai fait donc mon premier film d'animation gravé sur pellicule et il avait vu, donc David Bowie avait vu sur Channel 4. Et donc ils m'ont appelé la production pour demander si je voulais travailler sur un clip pour David Bowie. Et évidemment, j'ai dit oui. Et bon, j'étais assez contente du résultat. C'était un film, un vidéoclip d'une chanson qui était le film titre, le chanson titre du film Labyrinthe, donc, qui est sorti en 86. Et Bowie, donc, il voulait faire un clip un peu artistique à côté du trailer officiel. Et donc, j'ai gravé une petite séquence d'une minute à peu près. Voilà, après ça, j'ai eu un peu marre de la gravure, ce film. Et j'ai fait des techniques plus classiques, donc, d'une part, dessin sur papier. Et le troisième, c'était sur des cellulos. Et j'ai travaillé aussi sur un film qui s'appelle Beau au beau matin de Serge Avidikian. Mais là, j'ai pas fait l'animation, j'ai fait que les dessins qui ont été ensuite animés par d'autres personnes. Là, j'ai un nouveau projet. Je reprends à nouveau, donc un peu, on peut dire 30 ans plus tard, la gravure sur pellicule, mais sous un autre aspect. Donc je me suis dit, on n'en trouve plus, c'est fini cette période du cinéma où les cinéastes pouvaient encore toucher le matériel ou le support. Donc maintenant, presque tout est numérique. Bon, il reste encore des séances de papier, mais je voulais donc montrer aussi que la pellicule, c'est un matériau que j'avais beaucoup aimé et je voulais faire une sorte de monument en honneur de la pellicule. Et c'est pour ça que j'ai doré une pellicule transparente avec des feuilles d'or 24 carats. Et ça sera donc le support de mon projet prochain. Le titre de ce projet, c'est Le fil M, donc le fil ou le film d'or. La poésie, pour moi, c'est quelque chose qui est inhérent à ma démarche, en quelque sorte. Ce n'est pas que je fais des illustrations, des poèmes, mais j'essaye de garder une certaine liberté dans
dans l'enchaînement des éléments visuels, aussi bien qu'un poète qui enchaîne et qui, par le ressenti, met des mots dans des phrases. Quand j'ai vu le thème, j'ai dit, c'est pour moi, parce que je me suis dit, voilà, donc il y a cinéma, animation et poésie, j'ai jamais vu ça ensemble, et je me suis dit, voilà, c'est exactement ce que je ressens quand je fais des films. J'avais tout de suite regardé Pour la maison de René Guicadou, et je me suis dit, c'est vraiment une chance extraordinaire de pouvoir travailler dans un cadre qui a été habité par quelqu'un qui était avec sa femme investi les deux ensemble avec cette grande amour. Ça m'a beaucoup touchée. Et je me suis dit, voilà, travailler dans un contexte comme celui-ci, ça apportera forcément quelque chose de plus émotionnellement que de travailler dans un atelier quelconque. Donc c'est pour ça aussi, j'ai dit, voilà, je veux essayer ça. Et j'étais contente que ça marchait. Thank you.